Modèle. Modèle, mannequin, comme vous voudrez. Danseuse aussi. Elle a également suivi des cours de comédie. Pourquoi vous ne dites rien? Madame Mercader. Cristal. Pardon? Cristal. Cristal Mercader. C'est votre surnom? Moi aussi, j'ai été mannequin. Pour la maison Marcellet. Vous connaissez, sans doute. Marcellet. Madame Mercader, pourquoi vous faire tant de soucis? Votre fille est majeure. Les filles de nos jours apparaissent et disparaissent. Parfois, elles reviennent seules. Parfois, elles reviennent à deux. Parfois, à trois. Et parfois, elles ne reviennent pas, Monsieur Carvalho. Ça fait 3 mois que je n'ai plus de nouvelles de Marisol. Elle n'a plus remis les pieds à l'Institut. Quel Institut? C'est l'Institut de mode Fressange. Elle y apprenait son métier. Elle ne s'y plaisait pas? C'est impossible, vu le prix que ça coûte. Elle a des ennemis? Non. Tout le monde l'aime. Bon, écoutez. Votre fille est jeune et très belle. Qui vous dit qu'en ce moment, elle n'est pas beaucoup plus heureuse qu'on ne croit?
Mon instinct me dit qu'elle est en danger, j'en suis sûre. Mais cette affaire ne vous intéresse pas. Que désirez-vous? Retrouvez-la. Vous gagnez votre vie comme ça, non? À l'heure actuelle, je n'ai pas trop de soucis. Est-ce qu'on a besoin de travailler, Biscouteur? On a besoin de travailler? Non, c'est moi qui demande. Est-ce qu'on a besoin de travailler? Non. Non, vous avez entendu mon assistant. Qu'est-ce que ça signifie? Que vous ne m'aiderez pas? Si je la retrouve... Qu'est-ce qui vous fait croire que je réussirai à la faire revenir? Ma fille reviendra. J'en suis certaine. C'est très bien. Il tombera plus haut. J'ai une impression de légèreté, de sécurité. Pas mal. Allez, viens-moi suivre. Bonjour les filles. Ça va? Oui, ça va. On se prépare, on est un peu en retard. Tes cheveux, oui. Oui, pas mal. On va la doubler. Marisol Mercader. Ah oui, je m'en souviens. Look des années 50. Modèle plantureux. Un peu trop de tout partout, vous voyez? Oui. Raoul, c'est un type odieux. Marisol n'arrêtait pas d'être en boule après lui. Pourquoi? Parce qu'il aimait bien l'embêter. Il lui mettait la main aux fesses en disant que ça lui portait bonheur. Ben dis donc. Elle disait des choses étranges. Elle répétait sans arrêt qu'elle se fichait pas mal de devenir modèle. C'est pour ça que ça ne m'a pas étonnée de plus la voir à l'école. Et puis elle me semblait un peu lointaine. Elle passait la plupart du temps au téléphone. Et qui l'appelait? Elle avait toujours plein de cartes sur elle. Quel genre de cartes? Quand on est en classe, la directrice veut pas qu'on soit perturbé par le téléphone. Alors c'est la secrétaire qui note les appels sur les cartes de l'Institut. Elle en avait plein ses poches. Allez les filles, on ne perd pas de temps. Vous passez au cours de danse tout de suite. On y va. Juste avant de disparaître, elle était habillée super. Des vêtements italiens, ça a dû lui coûter très très cher. Et elle jouait les mystérieuses. Merci. C'est contraire au règlement de l'Institut. Sa mère m'a donné une procuration. Vous voulez que je vous la montre? Ça n'y changera rien. On respecte la vie privée des gens chez nous. Et moi, on me paye pour la violer. Qui donc? La vie privée, bien entendu. C'est le registre du mois de mai. Marisol Mercader a cessé de venir à partir du 4. Enfin, un peu de paix. C'est pas croyable, ces appels. Il y en avait que pour elle. Mercader, Mercader, Mercader. Sa mère, Pratt-Ponce. Sa mère, Pratt-Ponce. Sa mère, Pratt-Ponce. Et qui c'est, Pratt-Ponce? Un enquiquineur. Un enquiquineur amical ou bien dans le genre fiancé? Un enquiquineur total. Il y a des amis redoutables. On a intérêt à les perdre. Vous avez perdu le vôtre? Par bonheur, oui. J'en suis heureux. Un de ces jours, alors. Oui, alors, c'est tu t'es bien rincé l'œil, Biscouteur? Rapproche-toi un peu de là. Pas assez, chef. Je me demandais ce que faisait une fille comme ça dans ce genre d'endroit. Elle y était à contre-cœur. Jolie. Voilà, qu'est-ce que je t'ai dit, la dernière fois? Tiens, t'es plus là. Ça va, ouais, c'est parfait comme ça. On va pouvoir shooter. Oui. On y va? Ah, allez, restons. Allez, en route. Okay. Regarde, c'est son nouveau bureau. Oui, je vois. Salut, Bromure. T'as changé de quartier? Les affaires sont meilleures ici? En tout cas, meilleures que sur les Ramblas. Bon, je vais faire les courses. À tout à l'heure. T'as un petit cigare? Ouais. Pratt-Ponce, ça dit quelque chose? Alors, tu le connais? Et qui ne connaît pas Pratt-Ponce? Moi, par exemple. Il est dans quoi? Il est agent artistique, enfin, soi-disant. C'est un bon?
Le côté artistique, si tu veux le trouver, tu peux te lever de bonne heure. Il a pour mal de filles, pour des spectacles, des discothèques, des séminaires, des soirées privées. Il a des accompagnatrices. C'est tout ça qui s'occupe. Oui, prostituées. Des prétendantes. Ouais. Il habite la rue juste derrière, c'est pas loin. Si t'y vas, je te conseille d'amener un peu de carburant. Parce que lui aussi, il aime bien... Ah oui. Tiens. Merci. Je suis à jeun. T'es pas le seul. Tiens. Faut pas te gêner, fais comme chez toi, surtout. Oh, j'ai la tête qui explose. Ne me dis pas que tu es allé à cette soirée merdique. Le spectacle était tellement lamentable que j'ai dû me bourrer à mort. Non, j'y étais pas. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? Une fille. Il y en a pour tous les goûts. Marisol Mercader. Pourquoi tu veux précisément Scheherazade ? Scheherazade ? Bah regarde. C'est moi qui ai inventé la danse des sept voiles pour la première de mon spectacle. La danse des sept voiles, c'était Salomé. Scheherazade, Salomé, c'est pareil, ce nom lui plaisait bien et depuis, elle l'a adopté. Quel genre de spectacle, c'était ? Un spectacle artistique, qu'est-ce que tu crois ? T'es de la police ? Non, t'as pas la gueule d'un flic. Et en te regardant bien, t'as pas non plus la gueule d'un producteur. Ah bon, parce que monsieur s'intéresse à la police et aux producteurs. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Sa mère ne sait pas ce qu'elle est devenue. Tu trouves ça drôle ? Oh mon Dieu, je vais pleurer si tu continues. Elle a disparu début mai. Où a-t-elle bien pu aller ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Elle avait du succès, elle t'a plaqué ? Scheherazade est uniquement douée pour une chose. Je vois. Mais pour ça, pas besoin d'agent. Là alors, tu rêves. Toutes mes clientes le font. Toutes ? Même les célèbres ? Si elles l'étaient, qu'est-ce que je ferais ? Bonjour. Bonjour. Merci, Irma. T'en veux ? Non, merci. Elle est vraiment moche, mais au moins avec les moches, tu te fais jamais plaquer. La petite Scheherazade était belle. Exactement, elle s'est barrée. Est-ce qu'elle travaillait avec un partenaire ? Ça dépendait. Dans quelle boîte ? Ça variait, elle aimait bien changer. De boîte ou de partenaire ? Un peu des deux. Tu joues vraiment au con ? Ou t'as perdu la mémoire ? Elle s'emmerdait. C'est pour ça qu'elle changeait sans arrêt. Et d'agent aussi. Oui. Mais Pratt, il est inimitable. Tant mieux, Pratt. Tant mieux. Bah quoi, tu me les embarques toutes ? Relax, je fais des photocopies et je te les rapporte. T'es un sentimental ? Et alors, j'en ai pas l'air ? Ça saute aux yeux. Scooter. Bonjour, chef. Donne. C'est sucré avec du miel. C'est bien cette recette, hein. Oh, et tu le fais bien doré, surtout. Eh. Tu vas te balader,
dans toutes ces boîtes-là. Des boîtes comme ça, il y en a des centaines à Barcelone, chef. Il doit y en avoir une avec des filles comme ça. Avec des filles comme ça, il y en a encore un paquet. Oui, mais nous sommes deux grands optimistes, pas vrai, Biscouteur? Non, c'est tout le contraire, chef. De toute façon, c'est vraiment très bonne. Alors là, il faut être optimiste. Dès que c'est prêt, tu m'appelles. Oui. Je suis sûr que tu les rates quand tu les fais sauter. Regarde. Essaye. Et voilà. Pas mal. Chef, ça fait la 8e boîte que je fais, mais j'ai trouvé. Ils l'ont pas vu depuis fin avril. Elle faisait son numéro avec qui? Elle faisait un numéro de danse avec un type, Marcelo. Ça... Marcelo? Oui. Allez, viens. Non, moi je reste ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Biscouteur. Il n'y a pas de problème. Allez. Allez. C'est lequel, Marcelo? Le plus jeune. C'est lui, la star. Vas-y, la 7. J'avoue que tout ça, c'est pas mon univers. Mais c'est vrai que tous les goûts sont dans la nature. Sérieux, il est pas mal monté. Oui, il n'y a pas de doute. À la tienne. Toi, combien? Un gin tonic. Très vite, monsieur, vous aussi. 3 000 pour le tout. Merci. Merci. Tiens, tiens, tiens. Salut, Pepe Carvalho. Marcelo. Vous êtes impresario? Non. Ah, c'est dommage. Détective privé. Je veux trouver Scheherazade. Ben, si vous la cherchez ici, c'est beaucoup trop tard. À tout hasard, auriez-vous une idée? Des idées, il m'en a fallu pas mal après qu'elle m'a laissé tomber. On avait du succès, on avait un succès fou. J'en suis certain. Qui vous paie? Sa mère. Là, vous n'êtes pas sérieux. Elle haïssait sa mère, elle la traitait de monstre. Pourquoi? À partir de 2 ans, elle l'avait mise au régime. Vous voyez ce que ça veut dire? Oh mon Dieu, l'affreux supplice. Elle s'est tirée quand? Ça fait un bail. Quand? Un agent est venu nous voir. Et puis il l'a invitée à dîner, seulement elle. 2 jours après, ciao. Elle allait où? Elle m'a dit qu'elle partait en croisière avec un gros poisson. Un gros poisson? Ben, du genre gros bide, grosse situation, grosse bagnole. Dans quel pays la croisière? J'en sais rien. Je vais quand même pas écumer toute la Méditerranée pour aller pêcher un poisson. Mais ça, c'est votre problème. Maintenant, il faut que j'y aille, excusez-moi. Une petite invitation à dîner? Les occasions de ce genre, c'est réservé à ces putes-là. J'ai simplement du boulot. Second passage? J'imagine que vous voulez pas revoir le spectacle. Non. Mais il est excellent. Bonne chance, alors. Si je la vois, je lui dis quelque chose de votre part? Non. Comme vous voulez.
démocrate. Il y a un mec qui vient de me poser des questions sur Scheherazade. T'as pas parlé de moi. Si c'est pas toi, qui c'est ce con? Cette fille est débutante, elle bouge mal. Elle s'y prend comme une cruche. Toi, tu ferais bien mieux. Hein? Mais j'avoue que le sourire sur commande, je ne saurais pas le faire. Peut-être pour moi? Pour toi, oui. Ah oui? Tu montres? Pas mal, pas mal. Je t'engage. Bonsoir, messieurs, dames. On est fermé. Même pour boire un gin tonic? Pour un gin tonic, oui. Les toilettes, c'est bien par là? Oui. Jeune homme, s'il vous plaît. Vous savez que vous avez une belle voix, vous. C'est pour me dire ça que vous revenez? Vous chantez l'opéra, hein? Ça se voit. Eh oui. De cacao. White Lady. Bravo. Votre répertoire ici, il est calamiteux et ça, je le déplore beaucoup. Ça, oui. Mais je la chanterai pour vous. Bella anima cara. Bella anima cara, vieni a me. Très bien, merci. Excusez-moi, ça sera pour une autre fois. Hein. Voilà. Il n'y a pas de papier dans les toilettes. Je vous sers pas de gin tonic? La prochaine fois. Merci. Du striptease? La danse des sept voiles, pour être exact.
C'est pas possible. Et puis d'ailleurs, monsieur, la danse des sept voiles, c'était Salomé. C'est exactement ce que j'ai dit à son agent. À son agent? Un monsieur sans intérêt, une crapule. Oh. Vous ne saviez rien? Pas le moindre soupçon? Non, je n'en ai aucun. Apparemment, la situation a un peu changé. On a remarqué votre fille dans son numéro de danse. Et on l'a invitée en croisière. J'ai pu la localiser, elle est sur un yacht, le Hurricane. Le propriétaire est un industriel très influent, la Siras. Également à bord, un homme politique, un sénateur américain, O'Brien. Il a eu un accident malheureux sur le bateau. Il a failli mourir noyé. C'est bizarre, hein? Voici O'Brien avant son transport en ambulance. Lui, c'est la Siras. Et voici ma fille. Elle m'a l'air très attentionnée avec lui, non? Ils sont en Italie. Le sénateur O'Brien va y présider une conférence sur la paix en ex-Yougoslavie. Il est fort probable que votre fille soit avec lui. Ça répond à vos questions, au moins en partie. Votre fille est vivante, elle se trouve sur un yacht. Et à moins que je me trompe, de son plein gré. Ça vous va? Non. Je vous ai demandé de me la ramener. Je dois aller en Italie. Je veux ma fille, ramenez-la. Ça va vous coûter cher. Ça me coûte déjà cher. L'argent n'est pas un problème pour vous. L'argent, ça pose toujours des problèmes. Les enfants aussi. Pour les frais. D'accord, comme vous voudrez. Chef, et moi, qu'est-ce que je fais? Tu restes ici pour surveiller Marcello. Ah non, pas avec la folle qui chante l'opéra, là. Non. Alors un conseil, ne lui tourne jamais le dos. Tiens, mets ça au chaud. Et pas de taches de graisse. Ah, mon assistant. Bonjour, madame. Bravo, pour moi, c'est parfait. Merci. Ok, ceux-là, on les prend. D'accord. Andalouse, je m'en vais, salut. Qu'est-ce qu'il y a? T'es obligée de partir maintenant? Pépé est à la recherche d'une fille qui interprète la danse des sept voiles. Imagine qu'il la trouve. Eh bien, il l'engage. Très fin, très spirituel. Et n'essaie pas de tourner autour des petits garçons, ce sont des professionnels. Je n'avais plus un seul vêtement à me mettre sur le dos. J'ai dû pratiquement changer toute ma garde-robe. Mon petit Pépé, t'as des goûts de luxe, hein, parce que chaque fois que je tombais sur quelque chose qui, à mon avis, te plairait, c'était toujours ce qu'il y avait de plus cher. Je vois. Non, non, Charo. Non, 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 Pépé. Non, non, quoi? Sans moi, tu crois pas que c'est mission impossible, ton truc? Je viens de faire du café, tu en veux? Non, il ne change pas de sujet. Toi, tout seul sur la Riviera, en 5 minutes, tu te feras repérer comme le premier des débutants. Tandis qu'un couple d'amoureux, ça passera inaperçu. Pépé, t'es trop intelligent pour ne pas comprendre que tu ne peux pas partir sans moi. Et plus jamais on est partis en vacances, tous les deux. Ce ne sont pas des vacances, Chalo. Avec moi, ça en sera, tu paries? Qu'est-ce que c'est? Les 1001 nuits moins une nuit. Pourquoi tu brûles les pages de tous tes livres? Ça me rend tellement triste. C'est pour ça que je veux partir seule. Non, c'est pour ça que tu as besoin de moi. Ah oui.
ne veux pas me tenir en compagnie, toi? Réveille-moi quand on arrive, mon amour. Mais nous sommes arrivés. C'est ici. Bébé, est-ce qu'on a l'argent pour payer cet hôtel? Bien sûr que non. Coyez d'obro. Un deuxième, s'il vous plaît. Les hommes libres de bonne volonté, puis la religion venue des républiques de l'ex-Yougoslavie, vont se réunir pour parler ensemble de leur avenir et promouvoir la paix. Bravo. Merci. Bonjour, je voudrais une chambre pour deux. Certainement. Allez, on s'en va, c'est pas raisonnable. Accompagnez, monsieur. Tout de suite. Merci. Je vous en prie. Tu viens? Tous mes compliments. De quoi elle parle, cette convention? De l'ex-Yougoslavie. Il te plaît, l'hôtel? Cocktail champagne. J'aime bien cette villa. C'est vrai? Je l'aime bien aussi. Quelles sont tes intentions? Attaquer de front. Dès ce soir. Où vas-tu? On est là pour travailler, Charo. Ce ne sont pas des vacances. Tiens, finis-la. Je peux poser une question? Je peux monter? Les chaussures à la main. Ça porte pas malheur de changer le nom d'un bateau? Ce qui porte malheur, c'est surtout quand on se mêle des affaires des autres. Pas à moi. J'ai entendu dire que ce bateau a fait une croisière en Espagne il n'y a pas longtemps. Peut-être. Beau bateau, monsieur Las Heras. On se connaît, monsieur? Non, j'ai vu que l'on débaptisait le bateau. Je me suis dit que peut-être il était à vendre. En juger par votre allure, ce n'est certainement pas dans vos moyens. C'est vrai, ce n'est pas dans mes moyens, je vous l'avoue franchement. Alors dites-moi ce que vous voulez. Je suis pressé, je dois partir. À cette heure-ci, c'est pas dangereux. Sur ce bateau, on a failli avoir un mort. Descendez! Je recherche Marisol Mercader. Pratt vous a dit peut-être qu'on l'appelait Scheherazade. Et ne me demandez pas si c'est un personnage des Mille et Une Nuits, ou bien je vous balance à la flotte, monsieur Las Heras. Scheherazade. Où est-elle? Elle est partie, elle a filé à l'anglaise. Pourquoi perdez-vous du temps avec ce genre de fille?
vous en avez perdu aussi, semblerait-il. Vous avez l'air très contrarié, très déçu. Il y a eu un os? Elle s'est tapée tout l'équipage? Foule dehors! Vos filles en location, qu'est-ce que vous en faites ensuite? Un mot de plus, je porte plainte contre vous. Un mot de plus et je vous fiche la paix, monsieur Laceras. Où est-elle? Elle est avec le skipper du bateau. On a soldé les invendus. Dégage. Tu veux pas me piquer mes chaussures? Comment s'appelle le skipper? Mauro Deiana. Tu saurais pas où on le trouve? Sur le Sophie Blue. Il est au port? Ouais, mais pour monter à bord, c'est autre chose. Tu veux parier, matelot? Un bien beau bateau. Très beau. Bizarre. Ça n'a pas l'air d'être un idiot, celui-là. John Crumford. Pépé. C'est pas vrai. En pleine forme. Eh oui. Une amie, Charo. Je suis charmé. Enchanté. C'est un Américain qui travaille à la CIA. Ah, encore des vieilles histoires, Pépé. J'ai toujours dit à votre ami qu'il lisait trop de romans d'espionnage. Je ne suis qu'un observateur dans ce moment, disons, délicat pour votre si beau pays. Oui, les Américains aiment toujours beaucoup nous observer, nous autres, les Européens. Raconte-moi un peu, Crumford. Qu'est-ce que tu viens observer exactement cette fois-ci, pour voir si je devine? Nous souhaitons que la paix soit maintenue dans les Balkans. Tu es venu avec le sénateur? Depuis qu'il a perdu la bataille pour les présidentielles, il espère garder un rôle politique en militant pour la paix. Et toi aussi, tu participes à la conférence? J'aimerais bien connaître le sénateur. C'est possible? On peut toujours faire quelque chose. Il y a beaucoup de réceptions en ce moment. Tu tomberas sur lui par hasard. Je vois. Et toi? Je ne suis qu'un observateur, c'est clair? Très clair. Oui, oui. Charo. Charo. T'as fini avec ton espion? Et toi, t'as fini de jouer à cache-cache? Allez, viens, on va prendre un verre. Viens. Je commençais à m'ennuyer. C'est bien vrai, ça? Bah oui, je t'assure. Tu veux un vin blanc? Ouais. Bien frais? Ouais, d'accord. Deux vins blancs bien frais. Ils aiment bien ça, les Américains, exporter la paix dans le monde entier, hein? La paix et la guerre, oui. Oui, la guerre. Versez-moi un deuxième, je vous invite. Qu'est-ce que c'est? Slivovitz. Bon, d'accord. Ça fera trois. Merci. Ainsi, vous ne pensez pas que cette conférence soit utile? Très utile, monsieur. Pendant une semaine, nous mangeons et nous buvons gratis. Mais, pardon, je me présente, Peter Gruzin, ex. Oh, je suis Charo. Oh, enchanté. Pépé. Ex, qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Ex? Ex-Yougoslave, ex-communiste, ex-enseignant, ex. Ces deux petites lettres définissent à la perfection mon présent et aussi mon futur.
Je ne savais pas qu'il y avait également des Espagnols. Organisateurs ? Non, non, observateurs. Vous êtes bosniaque ? Et oui, je le suis aussi. Aussi ? Oui. Ma mère était serbe, mon père croate. J'ai combattu en Espagne contre Franco. Ah. Et j'ai vécu à Mostar. Le pont, ça vous dit rien ? Disparu, tout ça. Tout. Le pont, les parents, les amis, les ennemis, tout ça. Et maintenant, je vis à Paris. J'appelle ça plutôt survivre. Je traduis des livres inutiles pour un public totalement illettré. À la paix. À ma ville détruite et disparue. Au pont de Mostar. Ça, c'est la vie rêvée. Buvez, buvez. Je suis persuadé que vous pourriez faire le bonheur d'un homme comme moi, par exemple. J'ai déjà beaucoup de mal à faire le sien. Non, le vrai bonheur, c'est d'avoir soif quand on n'est pas loin d'une bouteille. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive... Regardez. Pour avoir un bateau comme ça, il faut être riche. C'est le bateau de Katina Grut. Qui est-ce ? Elle avait des banques en Yougoslavie. La Yougoslavie n'existe plus. Ces banques sont toujours là. C'est une femme très riche. Elle a financé toute la conférence. Vous êtes bien informée, mademoiselle. Merci beaucoup. C'est pas amusant, tout ce cirque. Pourquoi est-ce que vous trouvez ça amusant ? Ouais, ça ne l'est pas du tout. Ça y est, mon vieux, on est arrivé. Doucement, du calme. Oh, qu'il descend. Elle était bonne, cette bouteille, hein. Dieu, qu'est-ce qu'il tient. À son âge, quand même, il exagère. Hé, donne-moi un coup de main, Charo. Maintenant, tu vas te coucher, bien gentiment. Demain, ça ira mieux. Là. Maintenant, tu vas t'endormir comme un petit enfant sage. La cravate. Allez, sous ça, maintenant, oui. Reprends tout ça. C'est ça, c'est ça. Non, tu chantes tout seul. Lyuba, ne me laisse pas tout seul. Allez, viens, il faut le laisser. Repousse-toi. Charo, Alors ce soir, on n'a pas droit à son White Lady ? Un verre de limonade. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Elle est pas bien, celle-là. On voit bien que ce qui t'intéresse, c'est quelque chose de plus excitant. Non, non, je suis malade du cœur, excusez-moi. Ouh, avec cette robe, tu vas affoler tous les Balkans. L'invitation sur ce yacht de millionnaire, elle tombe vraiment à pic. Mais je comprends pas qui nous a invités. L'ami américain. Tu sais pourquoi ? J'en sais rien, il doit nous trouver sympathique. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. Tom Ford. Paris. Tu es magnifique. Merci. Je vous en prie. Bonsoir, madame. Bonsoir. 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 Je vous en prie. Je vois que tu as pris du galon depuis le temps où tu faisais des shots sur le Hurricane. Elle est où, Scheherazade ? J'en ai aucune idée. Tu le sais très bien. Elle était avec toi sur le bateau où tu travaillais. Et elle a disparu. Elle n'a pas disparu, elle est partie. Tu veux que je pose la question à Brian ?
Bébé, c'est bourré de vieux schnock ici. Tu es jeune et belle. Merci. Tu es jeune et beau. Merci. Bonsoir, Katina. Bonsoir, Katina. Je suis enchantée. Bébé, t'as vu comment elle t'a regardé? Moi, ça me plaît pas du tout. C'est une tigresse, elle vient pour. Si elle te met le grappin dessus, là, elle va m'entendre. À mon avis, je ne suis pas son genre. Voici Monsieur Carvalho. Ah. Enchanté, madame. Bonsoir. Et son épouse, Charles. Enchanté. C'est très courageux de votre part, Monsieur Carvalho, d'avoir épousé une femme aussi belle. Le courage est peut-être synonyme de folie. Qu'en dis-tu, Chavo? Le sénateur O'Brien ne pourra assister à cette soirée. Oh. Il vous prie de l'excuser, il se sent légèrement souffrant. Mais il vous demande à tous d'être avec lui demain à l'ouverture de la conférence. Venez prendre un verre. Je connais parfaitement. Bonne idée. Êtes-vous déjà allé à Sarajevo? En ce moment, c'est une ville à éviter. Oui, mais bientôt, elle sera reconstruite. Est-ce que l'on peut reconstruire des vies brisées et des hommes blessés? En êtes-vous vraiment convaincu, Monsieur Carvalho? Avez-vous jamais vu les effets d'une bombe? Malheureusement, oui. Ça ne vous semble pas curieux de parler de Sarajevo et de bombes tranquillement installées sur ce yacht? Mais tout cela n'existe pas. C'est seulement un décor. Peut-être, mais l'argent, lui, existe. Excusez-moi, je vais rentrer. Je vous accompagne. Merci, ne vous dérangez pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. J'ai senti que vous preniez froid. Je ne savais pas que la réception serait dehors. Pépé ne m'a rien dit. Parce que les hommes ne pensent à rien. C'est tellement dommage de couvrir d'aussi magnifiques épaules. Mais vous serez beaucoup mieux. Ça vous tiendra chaud comme le baiser de l'être qu'on aime. Mais en quoi c'est fait? C'est encore plus léger et plus chaud que tous mes cachemires. C'est du cachemire. Chatouche. C'est vraiment très rare. Il est si fin qu'on le fait passer à travers une bague. Une bague de mariage? C'est pour les gens qui manquent d'imagination, le mariage. Vous n'avez pas dit qu'il fallait du courage? Si, il faut du courage et pas beaucoup d'imagination. Cet Américain, ce grand messager de la paix, il est parmi les faucons ou les colombes? Je dirais plutôt que c'est un faucon égaré au milieu des colombes. Pour quel motif la banque Grutz le soutient? Parce que c'est une publicité excellente. Travailler pour la paix, ça fait toujours marcher le commerce. Ce que je n'arrive pas à saisir, c'est ce que vient faire la paix au milieu de tout ce luxe, comme Ford. Mon ami donne l'impression de ne manquer de rien. Ce n'est pas exact, cher monsieur Carvalho. Oh, excusez-moi, il y a des choses qui me manquent. Installez-vous ici. Monsieur Carvalho, monsieur Cromford. Nous avons tous nos rêves. Mais les miens ont été brisés. J'ai été obligée de fuir mon pays. Je voulais créer une institution de crédit, ce qui aurait permis de réunifier toute la Yougoslavie. Mais on m'en a empêché. Vivons aux rêves. Au rêve. Au rêve. Et à la paix. Au rêve. Et à la paix. Cette Katina est peut-être très yougoslave et très grande dame, mais elle boit comme un cosaque. Elle a vidé au moins 3 bouteilles. Tu lui as tapé dans l'œil. Ce n'est pas avec un bout de chiffon qu'on pourra se payer Charo.
Ça m'aurait plu de la balancer à l'eau, la vieille. Tu es jaloux, hein? Oui. Chargé de te dire que tu nous emmerdais un peu trop. On peut savoir qui? Ta gueule! Lâchez-le! Lâchez-le! Est-ce que t'as pigé ou... bien est-ce que tu veux que je remette ça? Non. J'ai compris. J'ai compris. Ça va, chérie? Pépé! Tu n'es pas blessé? C'est pas grave, ça va. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire de mal? J'en sais rien. Eux, ils le savent sûrement. Je t'avais dit que c'était pas des vacances. Oh, chérie, ils t'ont fait du mal. Ça fait pas de soucis. Allez, viens, on rentre. Salut. Bonne nuit, à demain. Ciao. Tu veux quoi exactement? Rien du tout. Alors va foutre tes pieds ailleurs, je t'ai assez vu comme ça. Mais c'est à cause de cette fille, Scheherazade. Eh ben quoi, Scheherazade? Mon chef voudrait savoir si elle a pas mal fini. Pourquoi elle finirait mal? Parce qu'elle s'est mise dans une sale affaire. Déjà, un type a failli passer. Tu sais ce qu'ils veulent faire avec elle? Tu sais qui la paie? Non. Mais tu connais quelqu'un qui sait. Demande à Pratt. Pratt? Il nous a rien dit? Il y a des arguments simples pour convaincre Pratt. Pratt? Dis-moi où tu as mal. Ici. Et puis où t'as encore mal? Ici. Tu as raison, c'est pas une vengeance. Oui. Allô, chef? Bravo, biscouteur, toujours aussi délicat. Que se passe-t-il? Comment? Où l'as-tu trouvé? Chez lui, il est là, devant moi. Non, il n'y a aucune trace. Il n'y a rien. Bon, tu fais rien, tu touches à rien. Et t'appelles les flics. D'accord, j'appelle les flics. Après, je me tire. Tu vas au bureau. Avec plaisir, chef. Et nos vacances? C'est fini. Oh. Pardon. Thank you.
mon amour. Ah, c'est gentil. Ah, oui. Oui, oui, moi aussi. Demain, vers quelle heure? Aussi tard? Merci. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer, on m'a tellement parlé de vous. Je vous remercie. Vous avez fait un merveilleux travail, je vous remercie. C'est très aimable, sénateur. John, sénateur, je comptais bien. J'espère que votre initiative sera bientôt couronnée de succès. Merci beaucoup. Bonne chance. Nous y allons. Vous permettez. Comme c'est gentil d'être venu. Merci. Ah, comme fort. Quelle bonne surprise. Merci. Ah, Romain. Pour vous aussi. Pour tout le monde, quelle qu'en soit la cause. Et pour votre pays. J'ai personnellement décidé très fièrement d'un cadeau. C'est sûr que le livre de l'histoire se passe. C'est une priorité. Monsieur Carvalho, vous ne vous sentez pas bien? Non, je me suis cogné contre une porte. Il y a des marins qui manquent d'éducation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? On pourrait leur donner des leçons de savoir-vivre. Ça m'arrangerait bien pour la prochaine fois. Venez faire quelques pas avec moi. Je vais vous parler. Allons ailleurs. Venez dans ma chambre. Vous permettez que je me serve? Je vous en prie. Pour des gens comme Katina Greutz, la guerre dans mon pays a été une manne. Elle a fait fortune. Santé. Santé. Sa banque à Belgrade versait des intérêts d'environ 15% par mois à qui pouvait y déposer des marques ou des dollars. 15%? Oui. Et au bout de quelques semaines, elle a réussi à rafler toutes les devises fortes qui étaient en circulation. Où investissait-elle l'argent? Dans pas mal de trafic. Ça allait des armes jusqu'au pétrole de contrebande, via l'embargo. Dans des médicaments devenus introuvables. Et aussi dans la drogue. Elle n'était pas la seule à s'enrichir au milieu de tout ce massacre. On en faisait autant chez les gens de l'autre côté de la barricade. Le gouvernement s'est un peu pris au jeu. Et puis il a dû intervenir. Son petit trafic a duré longtemps? Le temps nécessaire pour accumuler une vraie fortune et pour prendre la fuite, juste avant la banqueroute. Et maintenant, cette aventurière veut se donner l'image d'un ange de la paix. Peut-être attend-elle le moment... Le moment où, dans les Balkans, on va faire sauter la poudrière. Ce qui ne me paraît pas impossible. C'est bien ça, oui. J'ai dans l'idée que vous ne vous bornez pas simplement à traduire des livres. Je travaille pour mon peuple. J'avais un livre en projet. Je voulais raconter tout ce que je savais. J'ai renoncé à l'écrire. Et puis qui l'aurait lu, après tout? Je ne suis pas ici pour des raisons politiques. Je recherche cette fille. Si je le peux, je vous aiderai. Quel est le rapport avec ces gens-là? Ça a un lien avec le sénateur O'Brien. Il s'est fait bêtement piéger. La CERAS les a présentés, et ensuite adieu. À Barcelone, ils ont fait assassiner leur intermédiaire. À la vôtre. À la vôtre. Ils ne veulent pas que cette conférence soit un succès. Ils feront tout leur possible pour la saboter. Qui ça, ils? Eux tous. Dans tous les pays de l'ex-Yougoslavie, les hommes de bonne volonté, a déclaré le sénateur O'Brien, doivent coopérer afin que cette paix nouvellement conquise dans les Balkans perdure dans le temps. Nous écoutons le sénateur.
Je pense que cette conférence symbolise un premier pas qui est primordial pour que s'établisse une compréhension mutuelle entre les diverses ethnies des peuples balkaniques. Je suis convaincu que la participation à cette conférence de personnalités telles que Katina Grötz garantira à notre effort le succès que nous attendons. Je voudrais cependant souligner le vif intérêt que les Nations Unies ont manifesté à l'égard de cette initiative. Et nous sommes sûrs que de son succès pourra découler une avancée certaine. Allez. C'est l'heure. De te voir. Est-ce que monsieur a demandé la femme de chambre? Oui, et ça fait longtemps que je l'appelle. Souhaitez-vous réclamer auprès de la direction de l'hôtel? Je le ferai, si vous n'êtes pas gentil avec moi. Faites attention à ce que vous dites, parce que le harcèlement sexuel, ça commence par les menaces, et je crois que beaucoup d'hommes politiques très influents se sont vus impliqués dans des histoires scabreuses. Je vais courir ce risque. Oh, mon amour. Je viens de l'échapper belle, hein. Tu es expéditive. Pourquoi perdre un temps précieux? Je veux que tu te souviennes de chaque moment que tu passes avec moi. Qu'est-ce que tu fais? En pleine lumière. Je veux que tu me vois bien. Je veux que tu me désires. Tu te rappelles l'époque où nous étions à l'université, dire que tu voulais devenir journaliste? Et je t'approuvais. D'après toi, ça fait combien d'années que nous n'avons pas bu ce cocktail? Ouais. Beaucoup. À la mémoire de tous nos compagnons qu'on a assassinés. Et toi? Toujours obstiné à vouloir convertir les révolutionnaires en contre-révolutionnaires? Non. C'est très loin tout ça, le temps passe. La guerre froide, les luttes sans fin entre les révolutions et les contre-révolutions. J'avoue que je me laisse surprendre par la nostalgie quelquefois. La nostalgie, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui les Balkans, hier l'Espagne. À cette époque, je t'avais prié de collaborer avec moi à la reconstruction d'un pays meurtri.
C'est à mon tour de demander de l'aide. Qu'est-ce que tu veux de Katina ? J'enquête sur la disparition d'une fille. Mineure ? Plus ou moins. La putain d'O'Brien. C'est pas vrai. J'aurais autant de chance ? Si on veut. Il est marié, O'Brien ? Il est marié, oui, bel et bien. L'épouse refuse de croire un seul instant à cette liaison. Brave petite. Elle affirme que jamais son mariage ne sera brisé pour des motifs aussi futiles. Pas son mariage, mais la conférence sur la paix. La conférence de presse d'O'Brien est pour demain matin à 10h. Je pourrais le voir avant, parler avec lui. J'ai essayé moi aussi, mais je n'y suis pas encore arrivé. Il peut être en danger, d'après toi ? Ils ont utilisé la fille pour saboter la conférence. Le problème, c'est ce qu'ils vont faire maintenant. Mais où est-ce que tu vas ? Tout va bien. C'est vrai, tout baigne. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Quoi ? Les photos ! Les photos ? Ma chérie, quand je les ai développées, j'étais excitée comme un petit garçon. Je savais que tu avais du talent. Pour faire la putain ! Bon. Dans ce monde, tout se vend et tout s'achète comme on veut. Alors, comment tu expliques ? Comment j'explique quoi ? Que Franck ait refusé de payer ! Je veux savoir pour quelle raison il a préféré se compromettre et se couvrir de ridicule. Mais j'en sais rien, c'est pas moi qui ai négocié l'affaire. Tu m'avais bien dit qu'il n'y avait aucun risque. Tu m'avais dit qu'il paierait un maximum pour qu'elle soit pas publiée, ces photos. Ça a pas marché ! J'y peux rien, moi. À la place d'O'Brien, ce sont les journaux qui ont payé. De toute façon, cet argent, il est pour toi et pour moi. C'était bien ça, l'accord ? Non. On avait dit que c'était l'Américain qui payerait, personne d'autre. Mais je m'en fous de l'Américain. Et puis maintenant, c'est fait. Et j'ai ma gueule en première page. C'est pas ta gueule qui intéresse les gens, c'est tout le reste. Je suis persuadée que jamais personne n'a montré ces photos à Franck. Cette banquière voulait simplement provoquer un scandale. C'est vrai ou non ? Tu me réponds ? C'est vrai ou non ? Je te rappelle qu'on la connaît pas. On a préparé ce coup tous les deux. Juste toi. Et moi. Tu le savais dès le début, toi aussi. Je savais quoi ? Quoi ? Qu'ils en avaient rien à foutre du chantage.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Que l'argent dans toute cette histoire n'avait aucune importance. Il voulait seulement déshonorer Frank, et c'est à cause de moi qu'il s'est fait avoir. Ça ne change absolument rien. Tu te rends pas compte, mais ça change tout. Et depuis le début, tu étais au courant, hein, pauvre con? Ou t'as pas encore réalisé, ou t'es complètement taré? En tout cas, tu me donnes envie de vomir. Ne recommence plus jamais, sale brute. Et toi, je te conseille de fermer ta gueule, ça vaudra mieux pour tout le monde. C'est pourtant simple à comprendre, non? C'est pas un accident, tu sais. Pétard supportait très bien l'alcool. Eh ben, tu diras ce que tu voudras. Moi, je reste ici. Charo. Je ne veux pas que tu prennes de risques. Ça devient beaucoup trop dangereux. Tu dois t'en aller. Fais-le pour moi, tu veux? Allez, viens. Dans une semaine, on se retrouve chez Leopoldo. Et tu porteras le chatouche en signe de ralliement. C'est d'accord? Très bien. Chez Leopoldo. Et puis on prendra des anchois à la catalane. En route. Mais il y a un avion demain. Charo. D'accord, on y va. Il peut y avoir des embouteillages. Allez. On se retrouve à Barcelone. Bon voyage. Ciao. Ciao. Et doucement sur le chocolat. Ciao. Au revoir, chérie. À bientôt. Chérie? Chérie? Grutz va vous recevoir. Par ici. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous aviez déjà ce bateau avant la guerre, ou du temps où votre banque était plus modeste? Bien avant la guerre, monsieur Carvalho, mon mari et mon fils géraient la banque. Ils se sont fait prendre dans une rafle, et on les a emmenés tous deux dans l'enclave de Biatch. Désolé. Je sais que dans le pire des cas, on peut toujours survivre. Mais je ne vous demande pas de nous comprendre. Et après tout, c'était notre guerre. Chez vous, on ne parlait que de conflits ethniques. L'Occident nous l'a dit très clairement. Vous n'êtes pas européen. Vous êtes des Balkans. Entretuez-vous si vous voulez. Toutes vos histoires nous dépassent complètement. Et en tout cas, nous ne voyons pas l'intérêt de vous protéger. Donc, on s'est protégé sans l'aide de personne, tout seul. Voulez-vous un martini? Merci. Je ne crois pas que vous soyez là pour que je vous parle de mon passé. Vous désirez faire un investissement? Je crains que mes économies ne me permettent même pas de faire le plein d'essence sur votre bateau. Oh, je suis désolée. Surtout pour votre femme. Je ne suis pas marié avec Charo. Oh, tant mieux alors. Surtout pour elle. J'ai beaucoup de travail, monsieur Carvalho. Je suis détective privé. Je recherche une fille qui se faisait appeler Scheherazade. C'est un nom qui a du charme. Et que fait-elle, cette Scheherazade? Elle couche avec un sénateur, O'Brien.
Eh bien, vous l'avez retrouvé alors. Votre enquête est finie. Non, pas du tout. J'ai l'impression qu'elle a été engagée pour démolir un homme qui se bat pour la paix dans les Balkans. Oh, oh, excusez-moi. Cette nuit, je n'ai pas très bien dormi. Moi non plus. Cette nuit, je n'ai fait que penser à Petar Grosin. J'ignore qui est cet homme. Lui, il vous connaissait parfaitement. Pour le commerce, la guerre, c'est idéal, chère Madame Grutz. À qui donc pourrait bien profiter un conflit dans les Balkans? Je vous avoue, Monsieur Carroyo, que je vous trouvais beaucoup plus intéressant en tant qu'investisseur. En tant que détective paranoïaque, je suis moins enthousiaste. Dites à Charo de prendre le soleil, je la trouve palote. Une dernière chose et je vous laisse. La fille, Madame Grutz. J'aimerais bien l'emmener avec moi en Espagne, si vous le permettez. Vous me demandez ça à moi? Vous avez perdu la raison, Monsieur Carvalho. Qui sait? Sénateur? Franck? Chut, tais-toi. Je suis détective privé, c'est ta mère qui m'envoie. Ma mère? Chut, tais-toi, c'est ta mère, oui. Je dirai rien, lâchez-moi. Chut. Qui t'a dit de venir aujourd'hui, O'Brien? Non. Pourquoi t'es venu alors? Lâchez-moi. Tu me le dis? Je voulais lui parler. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Tu fais bien d'avoir peur. Lâchez-moi. Chut. Tu tiens à finir comme lui? Non. Il n'a pas la prostituée, se donne à mort. C'est ça que tu veux lire dans les journaux demain matin? Non. Viens, on s'en va. Allez, viens vite. Non. Toi, tu la fermes. On se retrouve, hein? C'est très étonné que tu joues au cow-boy ici. Tu paries? Moi, je dis que non. Une coupe de vin blanc? Ah, je me demande si je dois accepter. Ces messieurs seraient bien capables de me tirer dessus.
Et vous? Tu peux boire à la santé de ta femme. En ce moment, ma femme se trouve à 800 km d'ici. Est-ce que tu veux encore parier? Vous ne l'aimez pas, monsieur? Au contraire, il est excellent. Vin du Rhin, Riesling. Un petit verre? Non? Alors sans doute la prochaine fois. Bonjour, c'était madame. C'est un homme d'une élégance rare. Compliment. Je l'ai connu à Monte-Carlo. Tu fais gaffe, hein? J'y tiens, c'est un souvenir de famille. Tu pourrais pas mettre un peu de musique? La ferme. Descends. Maintenant, on va voir qui a gagné le pari. Charo. C'est le taxi qui m'a emmené chez eux. Mais l'Américain, c'était pas ton ami? Plus maintenant. Tu vas bien? C'est Scheherazade. Occupe-toi d'elle. Et qui paye pour tout ça? C'est la CIA? Calme-toi. Katina a pris le large. Et pourquoi serait-elle restée? Il n'a plus rien à faire ici. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. La conférence sur la paix est un fiasco. Les Balkans, une fois de plus, sont au pouvoir des mafias. Ce que j'ignore encore, c'est pour qui tu travailles. Ça n'a pas beaucoup changé. Avec l'argent de la banque de Katina, nous achetons en premier lieu du pétrole. Avec le pétrole, des armes. Des armes pour qui? Pour tous ceux qui peuvent les payer. Aujourd'hui comme hier. Demain comme aujourd'hui. O'Brien était un grand naïf. Naïf, mais beaucoup trop dangereux. Comme le pauvre pétard Grousine. Premièrement, t'as voulu noyer le sénateur, mais ça s'est mal passé. Pour rattraper le coup, t'as changé de tactique. Tu ne voudrais pas boire quelque chose de frais? Je ne t'ai encore rien offert. J'ai une bouteille d'un excellent Bourgogne, il est parfait. Non, merci. Charo? Non. Scheherazade? J'ai cherché par tous les moyens, Pépé. Comment faire pour te convaincre de laisser tomber? Par tous les moyens. Mais toi, tu es têtu comme une vieille bourrique. J'aimerais bien prendre un peu l'air, vous venez? On y va. Allez, debout. Tu ne vas pas nous montrer tes voitures américaines? Nous serons beaucoup plus tranquilles ici. À mon avis, c'est un endroit idéal pour faire disparaître quelqu'un. Tu crois que c'est bien utile? Je ne pourrai fournir aucune preuve.
Je le sais, Pépé. Je suis sûr que je peux avoir confiance en toi. Mais pas en elle. Je ne saurais pas quoi dire. Et toi, Scheherazade ? Elle se taira si elle ne veut pas qu'on l'accuse de complicité d'homicide. Non, Pépé. Je ne peux pas vous lâcher dans la nature. Je voudrais savoir quelque chose. Comment refuser de répondre à une créature aussi belle ? Parle, Scheherazade. Est-ce qu'il savait tout, Mauro ? Est-ce très important ? Oui, pour moi. Mauro Deyana savait tout, n'est-ce pas ? Il était devenu dangereux, tout comme nous l'étions pour vous. Sur le bateau de Catina, on peut régler les problèmes de cet ordre. Il y a des tempêtes en Méditerranée qui peuvent être fatales quelquefois. Je garderai un bon souvenir de toi. Adieu, Pépé. C'est dommage que je ne puisse pas te dire la même chose. Ah ! Couchez-vous ! Descends-le, c'est Mauro ! Bouge pas ! Restez tranquille. Allez, tirez-vous d'ici. Vite. Dehors ! Foutez-moi le camp avant que je regrette. Oh, Pépé, je peux plus rester ici. C'est pas vrai, je savais pas tout. Mais je sais que tu me croiras jamais. Je te le donne, prends-les. Non, il n'y a pas de raison. En tout cas, j'en veux plus. C'était à la banquière. Pas de mauvais souvenirs. Mais cette perte si douloureuse pourra, j'en suis sûre, nous aider tous à réfléchir. J'espère que cela nous incitera à suivre le chemin de la paix. Ce chemin que le sénateur O'Brien appelait un espoir nécessaire. Aujourd'hui et plus que jamais, nous sommes convaincus que le travail, l'acharnement, le dévouement que notre compagnon Frank O'Brien avait mis au service de la paix ne seront pas perdus, mais au contraire serviront d'exemple aux générations futures. C'est dans le dialogue, la concertation, vu ton amie Catina ? C'est ton amie à toi, pas la mienne. Mais elle n'avait Dieu que pour toi. Hein. Monsieur Carvalho. Madame Mercader. Vous m'avez ramené ma fille ? Maricel est venue avec nous. Elle est ici ? Non. Comment va-t-elle ? Votre fille va bien, ne vous inquiétez pas. Mais c'est à elle de décider quand elle vous rencontrera. Elle ne veut pas me voir. Si, si, elle veut vous voir. Elle vous demande seulement un peu de temps. Seulement un peu. Il faut lui faire confiance. Non, je vous en prie.